Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vérifie que mon son est bien bon partout. J'ai du sound in, j'ai du sound out, on entend les avions qui bougent. D'être un peu comme ça. Et puis on entend ma voix, c'est chouette. Oui, nouveau setup. Le setup d'urgence du secours au niveau du son, parce que j'ai une oreille qui m'a lâché sur mon casque. C'est chiant, ça change tout le son, et puis ben voilà quoi, c'est pas bien. Donc du coup, j'ai quoi de prévu ce soir? Une heure. Je suis un petit ninja d'une heure, parce que j'ai envie de faire du bateau. C'est bizarre, j'ai envie de faire du bateau. Donc du coup, je le fais ici, hein, je le fais pas chez moi. Je fais toujours sur la OSFR quand je fais du bateau. Heureux, Karen. Et donc voilà, non, juste quelques parties comme ça, jusqu'à 21h. Et puis après, ah le son. Action stations. Oh le son est tout prax dans mon petit. J'ai des oreillettes. C'est tout prax, c'est vraiment pourri. C'est tout nul. Le micro lui par contre ne bouge pas. C'est le même micro. Ça a pas bougé, par contre je dois avoir un problème de câble. J'ai un problème de câble dans une oreille quoi. Alors sur un casque à 300 balles ça pique un peu quand même. En ARP Yamato, si tu veux. Je grinde un peu quant à faire. Là, je fais un coup de Drake. J'essaye d'avancer. Faut que j'avance sur mes Italiens aussi, parce que moi mes Italiens, je n'ai pas avancé du tout dessus, j'en suis au T6, tu vois, t'imagines. Donc, y a du boulot. Y a du boulot. Ouais, je me casse, vous me verrez pas. Je me demande si je pourrais pas me trouver un angle derrière ce caillou. Genre, je lèche les cailloux et j'attends que ça arrive. Je tire sur tout ce qui approche là, comme ça. Ah, mais là... Ah, c'est tout pourri. Ah, je suis à la paix. Qu'est-ce que je fais à la paix? Oui, j'ai terminé mon porte-avions, ça y est, j'ai monté 10. Coucou Chico. J'ai monté 10, je suis content. Salut Astralcha. Mais encore beaucoup de bateaux. J'ai encore quelques navires à faire, mine de rien. C'est pas fini, quoi. Hein. Non, c'est jamais fini, quelque part. Hein. C'est pas plus mal que... Bon, tu me le trouves, hein, le machin qui est... Bah, il est là derrière. Bah oui, il est là derrière.
Je m'en doute bien. Mais moi, je me montre pas. Hein. Je suis un Drake, attends, c'est bon quoi. J'ai vu les KOTS aujourd'hui. Hein. Je suis pas fou. Hein. Salut Swartz. Bon, je sais pas où vous étiez cet après-midi, mais il fallait être sur la OSFR. Hein. J'ai donné 100 PO à tous les gens présents en fin de journée. En remerciement de leur présence. Je sais pas, 90 personnes en début de journée, 50 personnes en fin de journée. Ouais, j'ai un peu de mal aussi, je t'avoue que je me fais défoncer. Ah bah voilà, tiens, regarde. Salut! Faut être caché. Voilà, tu te caches. Ah, allez, passe, 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 ça passe. Ah, c'est bien, ça passe. Tout en étant bien, bien caché. KOTS, KOTS. Ah, c'est bien, on fait 6 000 de dommages. Je m'en fous, mettre mes canons arrière pas dedans. On me voit pas, c'est le principal. Salut, Edrenriquez. J'ai regardé les KOTS. Oui. J'étais devant en fait, j'ai fait le réalisateur tout l'après-midi. J'avais dit que je ferais ça, hein. J'ai hosté toutes les chaînes qui rediffusaient des matchs FR. Ah, je suis repéré. Ah, je suis plus repéré. Petit feu. Normalement, j'ai pas dit trop, moi. C'est embêtant. Pas d'hydro, mais l'hoster il est visible loin, donc on peut essayer de le défoncer, peut-être, comme avec le caillou. Allez, 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 surprise, motherfucker! Vraiment, je vais manger. Krakenstart. Bon, maintenant je mange. Maintenant c'est l'heure de partir. Faut que je parte. À la paix. 2000, il me regarde pas. Il me regarde toujours pas. Il me regarde pas. Il me regarde pas. Il me regarde pas. Il me regarde pas. Ah, il me regarde, ça y est, il me regarde. Tiens, 8000. Ça te va ça, 8000, c'est bien. C'est plutôt pas mal, non? Non, pas moi. Pas moi, pas moi, pas moi, pas moi, pas moi, pas moi. Ok. Soyouz. Comme 1200. Tiens, ça c'est cadeau. Tiens, 8005. Voilà comment faut jouer le Drake. Tirer à la paix sur les machins broadside. Hein. Oui, il me regarde. Passer à la cheveux. On a 40K déjà. Allez. Cible d'opportunité. Voilà, youpla youpla. On va vite partir. Avant qu'on me défonce de trop. On va se cacher un peu. Ouch. Récupérer des points de vie. Je suis encore visible. Ça y est, je ne le suis plus. Je pars comme ça. Pas qu'on me tire dessus en croyant que je vais tourner
Alors, il me regarde pas. J'attends que mes canons avancent, tournent dans le bon sens. Petite marche arrière des familles, voilà, c'est bien, fais ça. Que je te mette un petit feu. Oh! C'est quoi ça? Mais monsieur, mais non, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ah, tire bien quand même là. Moi j'ai fait des hostings, il y avait les WFRF qui participaient, donc ils ont fait du participatif. Attention! Oh. Par le pouvoir de l'Overpen, je détiens la force toute puissante. Oh là 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 là. Salut Napolitain chocolat. Et donc du coup ouais j'ai fait ça, j'ai fait des hostings. Mais ça me donne envie de caster au final. Est-ce que je me suis dit que j'aurais pu faire, et c'était trop con, c'est prendre la WSFR et regarder les différents streamers au lieu de faire des hostings. J'aurais été raccord avec vous sur le chat. Et il y aurait eu les 5 minutes, mais moi j'étais pas concerné par les 5 minutes, tu vois ce que je veux dire? Tiens, un coup d'AP. Trop fun. Non, tourne pas. Ouais, je vais les caper. Je vais les caper. Je me cache, je vais les caper. Bah, par contre, ça va être chaud du slip. Attends, mais toi là. Sors, 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 Seattle, sors. La clepsydre, sors, sors. Il sort pas. Salut, Gernix. Re, petit marsu. Hello, Conrad. Mais donc, voilà, ben, soit je ferai ça la prochaine fois, soit. Faut avancer, faut avancer. Non, ça rebondit. Ah, ça sent pas bon. Je suis vraiment tout seul. Je veux dire, c'est pas bien que ce que je vais faire là. C'est pas bien. Allez, viens, Ibukai. Ibukai, c'est la bataille. C'est la bataille dans tes fesses. Ah, non, pas moi. Ça va. Allez, je vais les caper maintenant. Zag. Je recharge la cheu. Salut Boboche. Je vais caper. Il nous faut ce deuxième point. Il nous faut ce deuxième point. 43K. C'est correct. Je me fais voir là, mais bon, tant pis, salut Arcaon. Il est bien le Drake, un feu. Il est bien Drake, il est bien. Le truc, c'est qu'il faut savoir, faut le jouer vraiment avec grande prudence. Mais oui, des cailloux, the fuck. Oh, tu crois que je t'ai pas vu? Viens me voir, allez. Vas-y. Je cap 40 secondes. Le temps qu'ils viennent me faire faire un tour, dire bonjour. Par là. Je vais charger la paix. J'ai mis un chargement rapide. Salut mise en garde. Pratique le chargement rapide. S'il pointe le bout de son nez, il va pointer le bout de son nez par là et broadside.
Ou alors se rapprocher. Non. Ah bah non. Non, ça marche pas, monsieur. Tu crois pas que je suis assez bête pour faire ça, quand même. C'est les bouquets. C'est les bookies. C'est les bookies, ça. 10. 8. 6. J'ai que les bookies en face de moi, c'est tout. Pas besoin de défendre C. Mais non, pas besoin de défendre C. Foncez sur B, les mecs. Nice. Alors, est-ce qu'il va se pointer ou est-ce qu'il a fait demi-tour en se disant je suis tout seul. Tiens, regarde. Il s'est bien pointé anglais et il est malin. Salut, aile de poulet. Moi aussi, j'ai de la chute. Moi aussi, hein, j'ai de la HEC. Hein. Moi aussi, j'ai des torpilles. Hein. Putain, moi aussi, j'ai. Putain, je bute deux fois ce tas-là. La gueule. Alors, viens là, tu vas voir comment ça va se passer. Je vais te faire un cours, tu vas voir. Pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Allez, viens là! Tiens, meurs! Ah, il a attendu. Oh! Un K, une cape, deux kills, deux citas, c'est correct? C'est correct? Ce serait bien si on la gagnait. Ça me plairait bien. C'est pas fait. C'est pas fait, mais voilà. C'est comme ça qu'il faut jouer le Drake. Il faut jouer Caillou. Faut jouer Caillou. Là, j'étais content du coup d'être en solo contre un Ibuki, ça s'est bien passé. Caillou, caillou. J'ai un RP Yamato, mais j'aimerais bien voir la fin du match parce que c'est serré du coup. Si le Fletcher pouvait être torp. Ah, ils reviennent. Ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent. Ça va être. Ça va être compliqué. En fait, je pourrais peut-être éventuellement smoke le. Ah, c'est un rune. Un rune qui tire. Alors, on cap. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans la cap. Seattle SS. N'a pas. Cap pas parce qu'il y a. Ah, il y a trop de monde, ils sont trop. Ils sont trop. Ils sont trop. On a l'Iowa qui est en train de capisser. Salut, petit Kazou. Voilà. Kit 4 qui est à 7-4. Ça commence à être un peu compliqué. Sauf si tout le monde se bat. Ils sont plus que deux. Ouais, bah voilà. Ouais, on essaye contre le Kit 4. Kita, ça risque d'être un peu chaud. Chaud du slip. Hein. Ouais, en effet, Alfred, j'ai envie de faire du bateau là. Une petite heure. Hein. Pas s'énerver non plus. Hein, mais. Quand j'ai des envies de bateau, c'est bien. C'est bien, c'est bien, un petit ninja. C'est cool. Normalement, on devrait avoir du temps mou, mais. Temps mou, il est pas là en ce moment. C'est un petit moment qu'il est plus là d'ailleurs. Et je suis avec un casque.
Mon casque, il est là. J'ai perdu une oreille. Pas une oreille, hein, une oreille du casque. Ce qui est bien embêtant pour un casque à 300 balles. Au cas, il a bien vécu, hein. Il a bien vécu. C'est un Cubat 1339, c'est plus vendu. C'est l'ancêtre de l'MMX1, l'MX300. Ça s'appelle comment l'afficher le nom des joueurs in-game? Ça doit être l'interface. Tu sais, si tu vas dans là, dans paramètres, dans contrôle, et ça s'appelle ici, là, le mode d'interface alternative. Tu le mets sur adaptatif, par exemple, et voilà, c'est bon. Ah oui, bah oui, le casque par mes oreilles. Oui. Donc du coup, j'ai dû trouver un autre système. Je suis avec des oreillettes toutes pourries, et puis bah, le micro, lui, il fonctionne encore. Donc pour l'instant, on fait ça. Je vais essayer de réparer le casque. Je vais essayer de le réparer. On va voir ce qu'on peut faire. Je suis prêt à m'acheter un petit poste à souder. C'est un câble, hein, il y a un faux contact quelque part. Salut Toontoon! Complète ou l'adaptative? L'adaptative, moi je suis en adaptative. Comme ça, le nom des gens qui est trop loin pour toi ne t'apparaît pas. Un casque change le visage. Oui, peut-être bien, ça fait plus. Ça fait. Quand est-ce que je l'ai acheté ce casque? Je sais pas, je dirais 2000. 2000. 2013? 2013 ou 2014? Bref, il a 7 ans quoi. Il a été réparé une fois. Mais là, je suis hors garantie. Je suis hors garantie. Donc, on va essayer de le réparer en do it yourself. Hein. C'est un câble, hein, c'est un faux contact, c'est une soudure qu'à lâcher. Donc, faut l'ouvrir. Va falloir que je trouve peut-être un câble à remplacer ou une soudure à refaire, quelque chose comme ça. Et on va voir ça. On essaye, tout pour le tout, de toute façon. Puis, dans le pire des cas, ben, on se rachètera, passera par la caisse, hein, et puis on se rachètera un casque. Hein. Sachant que moi je suis Beyerdynamic, Dynamics et rien d'autre. Beyerdynamic, Dynamics, rien d'autre qu'un Beyerdynamic. Dynamics. Si, j'entends. Je suis pas sans son là, j'ai des oreillettes. J'ai le son du jeu encore quand même si c'est tout pourri, j'ai le son du jeu. Ah, je peux pas être sans son. Je suis premier, regardez-moi ça, 1261. Je crois que je suis premier avec un Drake, mince. J'ai fait combien en. Attends, j'ai fait combien Pex? J'ai fait 9972 en lose. Ah, ça pique. J'aurais bien aimé la gagner, celle-là, ça aurait été bien plus fun. Ok, on m'a demandé un Yamato en ARP. Donc c'est un Yamato avec le camouflage en fait. T10. Yamato, je crois qu'il a le camouflage actuellement. Ouais, il a le camouflage. Je pourrais mettre un. Ah, il est en HSF et pas en ARP. En ARP. Attends, l'ARP Yamato. Pas l'HSF, le Yamato. L'ARP Yamato. C'est différent. Ah oui, Alfred, moi aussi. Je m'agenouille au niveau de mon lit. Je fais petit Jésus, s'il vous plaît. Faites que les sous-marins arrivent vite dans le jeu. Mais ça marche pas. C'est juste pour faire beau. Entraîné pour l'ARP Yamato, c'est Yamato. Pour l'ARP Yamato, ce serait logique, mais elle a pas de points. Elle a des seins, par contre. Ça nous a jamais aidé beaucoup. Est-ce que j'ai pas un commandant ARP qui pourrait être correct? IEI à 13 points. IEI entraîné sur le Yubari, mais c'est 13 points quand même, quoi. J'ai Atago. Qui a 11 points. Azuma qui voit pas ses pieds. Azuma elle voit pas ses pieds, donc voilà. C'est embêtant, hein, pas voir ses pieds, j'avoue. On va prendre Yi.
Elle est toute calme en plus. On va te mettre IEI. Elle a 13 points, donc on va mettre ça du genre. On va essayer de faire un truc genre plutôt. Elle a pas 14 points. On peut te mettre 14 points. Allez, 14 points. Voilà, 14 points. Voilà, tiens, hop. Matrice, ça. 14 points, très bien. Et en termes d'équipement. Et comment je l'ai eu? La RP Yamato? Je l'ai eu dans le cadre de la collaboration ARP. Mais faut pas oublier que je suis CC, donc Wargaming nous donne les navires. Je pense que c'était un navire qui est passé dans la boutique, hein. Le 500 navires à 50 euros, ils volent pas tous 50 euros mes navires. C'est les Alex. Tous les navires ne valent pas 50 euros, fort heureusement. Le tir 1, tir 2, tir 3. Toutes les lignes, tous les bateaux de ligne. Voilà quoi. L'équipement c'est bon. Ah, des maquettes. Après, je sais pas, ils ont arrêté de faire du matos au warship. Je regarde les pavillons, mais après il y a 16. Oh lolo. Enlevez-moi tout ça, monsieur. Enlevez-moi tout ça. Enlevez-moi tout ça. Oh là là, beaucoup, beaucoup trop. C'est quoi ça? Pourquoi autant de pavillons? Voilà, c'est bon. Eh bien, go. Oui, il y en avait trop. 100 euros la RP. Ouais, c'était cher. Ouais. Celui-là, il vaut double alors. Il valait cher, c'est vrai. Mais bon, c'était un Télis vendu, quoi. Alors qu'ils avaient dit à la base, on vendra pas de Télis. Oh, super, Amidway, je suis content. Je suis tellement heureux. On vendra pas de T10 dans la boutique en premium. Et au final, ils l'ont fait. Mais bon, voilà, ça permet aux gens qui savent pas jouer, mais aux gens qui ont des sous, de venir jouer quand même en T10, quoi, dans la cour des grands. Oui, c'est pas forcément très bon, hein. J'ai pas le droit de le faire. Et je suis contributeur, je rappelle. Donc ça la ferait mal, quoi. Ça la foutrait mal quand même de vendre un compte contrib, quoi. T'imagines les boules? Non, non, non. On ne vend pas de compte. Pas le droit de vendre de compte. On me le demande, moi je joue les navires qu'on me demande. C'est bien pour jouer la nuit. Salut Tarkrod. Alors, cet arécasé, qu'est-ce qu'il donne? Est-ce que t'as testé ça? Déjà, je me casse, moi, je salue, je m'en vais. Je rappelle que Tarkrod est le grand gagnant de l'arécasé hier. Il y a un Nagir là qui arrive. On va peut-être faire un coup d'Y. 17 secondes. Ah, ça m'éclate les oreilles. Il tourne. Non, tourne pas. Ah, satané avion. Sur que je tire maintenant. Non. Non, non, si on pouvait couler tout le monde avec un Yamato, j'aimerais bien, mais non, malheureusement non. Non, non, le Yamato prend cher. Il brûle bien, il brûle trop bien. On va essayer de tirer là-dessus. Non, laissez-moi voir des trucs, nom de nom de nom de nom.
Allez, allez les canons, allez, allez, allez les canons, allez. Allez les canons, tourne, tourne plus, fais demi-tour, c'est bien, tourne plus. Parfait, parfait, maintenant avance, arrête de tourner, avance, avance pas assez vite. Ah c'était bien, mais il avançait pas assez. Oh, recharge peut-être à cause d'un peut-être inconsommable. Putain, c'est pas ce que je peux tirer. Oups, si je vois plus rien. Quel loyau là. On est à 15 secondes. Le loyau est assez lent. Quand même 15 secondes, c'est assez loin. Ah, il tourne. Personne. Alors je me rapproche. Alors je me rapproche, mais je vais me faire défoncer si je me rapproche. Non, je suis trop loin. Ils ont peur de personne, ils me voient même pas. Bon, c'est pas avec ça qu'on y arrive, hein. Zéro dommage. Pour l'instant. On va se rapprocher. On a un Bismarck et un Neptune là pour nous aider. Ouais, bah là, c'est pas moi qui vais pouvoir t'en donner, hein. On a un porte-avions rose. C'est beau le porte-avions rose parce que tous les avions sont roses. Allez, vas-y. Alors, ils sont combien derrière les îles là? Il y a un. Voilà. Voilà. Un pétro. Anglais qui devrait quand même prendre un peu le focus du dos devant, peut-être le focus du CV aussi. J'aimerais bien lui tirer dessus. Ça passe peut-être, hein. Oui. Un encadré, ça passe, mais je l'encadre. C'est nul. Allez. Ouais, ça va là, tu vois. J'ai pas été au front. J'ai pas été au contact. J'étais sage. Petro, il avance pas. Je pourrais tirer éventuellement là-dessus. 13 secondes. Sur un autre Yamato. Moi je vais mettre un peu plus d'angle maintenant parce que je vais finir par me prendre la vraie sauce. Ok, bon bah c'est pas le soir du tir, hein. On va tirer sur le pétro à 10 km. Peut-être qu'on va réussir à tirer sur le truc à 10 km, je sais pas. Peut-être pas. Oh ouais, super. Quelle puissance, la puissance du Yamato à 1480. Non. Non, je joue survie. Pas d'éveil. Ouais, ils sont trois. Ils sont trois. Il faut que je prenne de l'île intérieure. Parce que sinon, ça va être. Ça va être. Ça va être la sauce. Ça va être la saucée. Si je vais pas à l'intérieur, je vais mettre le pétro secondaire. Voilà. Ah bah ouais. Il y en a qui savent viser, hein. C'est pas grave, j'encaisse. Tu 10 000. Par contre, et les gens de devant, quoi. Les gens de devant. Trop de monde. Il y a trop de monde devant. On va prendre cher. Les gens vont pas me tirer dessus. Par contre, là, il y a du monde. Il y a du monde là.
Agir. Agir, il faut agir, agir. Agir, c'est le moment d'agir. Agir! Agir, avion! Agir, avion, avion! Allez, agir! Montre-toi! Montre-toi! Ouais, t'es mort. Je vais rentrer. Je vais aller caper. Et oui, je peux pas m'en empêcher. Je peux pas m'en empêcher. Tiens, boum, tout ça pour toi, c'est cadeau. Je suis repéré avion. Il faut que j'aille dénoter de 21. Non, 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 mon avion! Là, il y a un Alaska là. Qu'est-ce que je fais là? Mille sur l'Alaska. Là, aïe, 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 il me fait 12 000 aussi. Les 4, je les garde derrière l'île, tout va bien. C'est l'Alaska et le Pomerne qui me font un peu plus peur et mal. Eh oui, bah oui. Voilà, Pomerne Broadside, ça peut être intéressant toujours. Un peu tard. Attention, il y a le. Derrière, il est en train de m'avancer. Le pétro. Pétro, il avance. Faut pas que je recule. Faut pas que je recule. Ah, il y en a un qui vient me. Là, là. Là, 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 le monarque. Monarque. Monarque qui vient. Allez, on met tous les canons en direction le monarque. Toute façon, voilà quoi. C'est ça ou ça. Un peu trop bas. 13 000. Ah oui, hein. Le problème de l'Alaska, c'est ça, ce qui me défonce. Boum. Ah, je suis pas mort. J'ai tenu, j'ai bien tenu. Je les ai. Regarde, regarde, j'en ai arrêté. T'as vu combien j'en ai arrêté là? Combien j'en ai bloqué en fait? J'en ai bloqué 6. J'en ai bloqué 6. Tant qu'ils étaient sur moi, tant qu'ils savaient que j'étais là, ils n'ont pas avancé. Ils se sont dit mince, on n'y va pas. Ouais, on le contourne, c'est bon, on y va. Ils étaient concentrés sur moi. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On capte toutes les zones. Donc c'est plutôt bon. Est-ce que ça va être récompensé? Je ne pense pas. Ouais, mais bon, après, j'ai pas toujours des bons moves, quoi. J'avance trop. J'avance trop avec mes cuirassés, je le sais. Oh, j'ai la torpille. Hein. Dommage. La petite esquive. C'était un peu. Ouais, c'était un peu chaud. Là. Bon, voilà, c'est plutôt pas mal. C'est bien engagé, on va dire. On a un léger sous-nombre. On a un léger sous-score. Le Z23 est pas bien. Ah, il est pas bien. On va perdre le Z23, je pense. Oui. C'était logique. Mais c'est capé. Donc c'est plutôt bien. Ils sont en train de. Le monarque recap. C'est. Le GK ne peut pas lui tirer dessus, donc théoriquement C va être recapé. Ouais, si tu veux.
C va être capé, ben là sous l'ombre, hein, cette partie va être serrée. Hein. Elle est pas faite. Hein. Elle est pas faite du tout. Donc là, le Kurfürst éclaire le monarque. Est-ce que ça nous est utile? Est-ce qu'on peut lui tirer dessus? Non, Jutland est bien occupé, il peut pas lui tirer dessus non plus. Le monarque a l'air d'avancer pour sortir, histoire de faire le tour, un peu comme il a fait le coup pour moi, en se disant ouais, youpi, regarde ailleurs. Non, il n'a pas les canons. Ah, par contre, tant pis quoi. Ça y est, il se met uniquement à tourner les canons maintenant. C'est dangereux de sortir broadside comme ça, mais voilà. Il a pas le temps de se prendre une salve et c'est bien dommage. Ah ouais, non. Ah. Pauvre GK est en train de se faire mavocher par toute l'équipe qui est en train de pousser. Même avec toute la bonne volonté du monde. Alors on aurait éventuellement. Qu'est-ce qui pourrait nous sauver? Oh, dommage. Oh, dommage, 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 dommage. Bien vu. Le Jutland qui pourrait revenir par derrière et contrecapser en passant par les cailloux. Ça le rend un peu indisponible parce qu'il essaie de pas se faire voir. Il va peut-être lâcher quelques torpilles. Je vous montre pas l'action, je joue avec la map. Ah, j'aurais pas tiré. Mais comme il reste plus que 2000 points sur le monarque, c'est pas si bête. Il veut essayer de terminer le monarque. Par contre, il se rend visible. Et comme il reste plus beaucoup de points de vie, fasse gaffe à ce petit jeu-là. 256, ça peut marcher. Allez! Oh, oui! Bon, c'est bon. Le Hollande, grâce au Hollande, quelque part. Alors, on va contre-capser, ça c'est le plan. Par contre, on se fait caper toutes les zones. On n'est plus que 3, plus que 2 TT. C'est vraiment très 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 mal. Pour moi, elle est perdue, hein. Malgré tous les efforts qu'on peut faire. Pommern, esquive les torpilles. Le pétro, par contre, s'en prend 3. Nice. On recap. Score est moins gros, il reste plus que 4 minutes. Mets pas le micro devant ta bouche parce qu'on entend. Mon micro est trop bon, je suis désolé. Alors, on en est où? C'est une fin de game intéressante. Ça fait penser un peu à des échecs. Donc, comme prévu, ça contrecapsé. Le Pommern est en train de caper B. Ils nous ont jeté le porte-avions. Ils ont coulé le porte-avions. Ils vont revenir maintenant sur B. On a la mobilité. Leur DD est loin. Leur DD allait chasser, leur destroyer allait chasser le porte-avions, là, en dernière position connue. Le temps qu'ils reviennent, sincèrement, oh, non, on n'a pas assez de monde. L'Hollande va aller contre-cap D. Il faut que le Jutland se casse.
C'est bien, il contre-cap, hein, c'est super. C'est super, il reprend tout ce que les mecs prennent. Il reste 2 minutes 40. Ils ont quand même pas mal de cuirassés, de trucs assez lents. Ils ont plus qu'un DD qui est très loin. Un des deux Yamato se dit je vais aller protéger la zone pour éviter qu'il ait la cape. Pas oublier que par contre Lowland a les torpilles qui vont vite. Ils ont les torpilles laser, ces choses, ces petites bestioles là. Et par rapport à un Yam, c'est pas très visible, donc peu de chance. Peu de chance. 2 minutes. Il va rentrer dans la zone pour éviter que ce soit pris. Voilà. Il reste quoi? Je ne sais pas si en 1 minute 30 on va pouvoir réussir à remonter au score. Allez, deuxième salle de torpille. Oh non. On n'était pas allé voir du côté du Jutland comment ça se passait, mais il a été trop gourmand. Il a été trop gourmand. Il s'est fait voir par le destroyer. Ici. Et à partir du moment où il s'est fait voir ici, une fois par le destroyer, bah, il s'est fait allumer par tout le reste, quoi. Là, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Et le Yamato esquive trop bien la torpille. Du fait qu'il est au courant que ça qu'il est là, donc là tu peux pas trop l'avoir sur un mec qui est bien, qui sait bien le faire quoi, qui sait bien esquiver. Ah, c'est dommage, il y avait de l'idée, il y avait de l'idée. On va aller jusqu'au bout du timing sans doute. 33 secondes, c'est cool. Plus rusé, mais qu'est-ce que tu peux faire à 1 contre 5? C'est pas possible. À 1 contre 5, c'est mort, malheureusement. Et c'est la fin du timing. 3 torpilles qui touchent. Ah, elles ont touché. Elles ont touché juste avant, mais ça fait pas assez de dommages de toute façon. Tu vois, regarde, je suis mieux de tableau. Pourtant, moi je dis, j'ai pas démérité quoi. Voilà. Je vous propose de faire un coup. On va refaire un coup de Drake. Hein. Moi, j'aimerais bien avoir une victoire. Ça me plairait bien. Le but, c'est d'essayer d'avoir une victoire au moins. Sachant que qu'est-ce que j'ai comme drapeau dessus? Je vérifie si j'ai tous les drapeaux qui vont bien. Donc tiens, je peux me mettre lui. En plus. Ouais, lui en plus. Parfait. Ça en plus, et ça aussi en plus. Et voilà. Quand même un gros paquet de drapeaux. Voilà, ça s'était bien passé, mais faut faire attention avec les croiseurs, parce que voilà, les croiseurs c'est quand même des gros chips. Oh, 4 porte-avions en attente en T9. Non, tu ne peux pas avancer plus. Tu n'as pas le droit d'avancer plus que ça. Ça va être la dernière. À partir de 21h, je vais regarder un truc. Et puis, vers 22h, je vais faire de l'X4 un coup sur ma chaîne. Vous êtes le bienvenu d'ailleurs, si vous voulez. Non, pas de... Let's get to it.
Je vais être en vacances dans 2 semaines. Une semaine de vacances. Incroyable. À cette occasion, je pense, je viens de m'acheter Death Stranding, qui était en promo là, en ce moment. Je me suis pas spoilé. Je connais pas l'histoire, je connais rien. Rien. Pas le gameplay. Rien du tout. Et je pense que je ferai ça pendant les vacances. Sens pas que c'est super long. Monsieur, 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 je passe. Je passais. C'est pas grave. Donc ouais, Death Stranding, très bien. Très bon jeu. Steam Award du gameplay le plus innovant. Bon jeu, quoi. 23 euros en ce moment. Ça vaut le coup de s'y intéresser. Malgré mes 170 heures de X4, je continue à m'acheter des jeux. Vous voyez, ça ne finit jamais en fait. On s'en sort, on s'en sort pas, on s'en sortira pas. Bon alors, c'est. Ok, toi t'es trop loin. Je pourrais te tirer dessus. On va y aller un grand coup de ouf. Ok, on va te tirer dessus. Ah mais non, mais si tu tournes. Ah, c'était presque ça. À l'arrière pour vous. La tempête qui arrive. La tempête qui arrive vite. Non, c'est impossible. Ah, mais si je tire sur le brindis en dehors de ma portée effective de tir, ça n'a jamais marché. Ils ont arrêté ça. Wargaming a arrêté. Tu peux plus toucher un navire. Tu vois, ça marche pas. J'aurais dû là. J'ai vu des impacts. Mais ils ont dit non. C'est terminé. Tu peux plus tirer en dehors de ta. C'est nul ça. Regarde. Le navire approche. Je tire au moment où est-ce qu'il n'est pas dans ma zone de tir. D'accord? Donc je suis pas visible. Puis le temps que les obus arrivent soit 17 secondes, les obus arrivent pile poil sur le navire. On voit bien qu'il y a eu 3 obus qui ont touché. Pourtant, j'ai rien eu. J'ai rien eu, il n'y a rien eu. Tout ça. Oui, j'ai vu ça, saumon GG. Tout ça pour éviter quoi? Pour éviter que bah, tu t'amuses à utiliser un système du jeu. Mais un système du jeu, c'est un truc que tu peux utiliser une fois tous les 36 du mois, quoi. Tirer sur des mecs qui sont en dehors de ta zone, qui rentrent dans ta zone de tir. Déjà, faut pouvoir le faire.
ça c'est un Georgia, donc un Georgia ça va vite. Faut vite que je me mette derrière une île. Petit feu. Ça va m'arriver sur la tronche là par le pouvoir de l'Overpen. Je détiens à la force toute puissante. Excusez-moi, je prends ma cita, je reviens. Salut Azarkoï. Voilà, ça c'est fait. On va peut-être récupérer des points de vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vient. J'ai 11-4, dommage, c'est nul. Il va falloir que j'essaie de me trouver un caillou. J'essaye de grinder un peu, ouais, de temps en temps, de me faire au moins une victoire, quoi, histoire de me faire 10 000 points. Faire 10 000 points de... Non, ça c'est mauvais, c'est pas bon. Tu n'es pas derrière le caillou, mais tu es devant le caillou. C'est pas bon, il va t'allumer, il va t'allumer... Il me regarde pas. Ouais, bah, ouais, maintenant il me regarde. Pas moi, pas moi, non, pas moi, marche arrière, pas moi. Pas nous, 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 pas nous. Voilà. Ça c'est bien. On va pouvoir commencer à avancer maintenant, rejoindre nos petits camarades. Oui, il faut bien que j'avance un peu de temps en temps à grinder, quoi. Sinon, ça le fera jamais. Oh, on peut peut-être tirer sur un truc qui fait marche arrière par là, regarde. Un Alaska, broadside. Dommage que je sois à la paix. Pas la chose. Un petit peu, ça fait toujours plaisir. Encore du monde, hein. c'est pas fini. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur B pour être utile. C'est pas en restant, je mets la marche arrière. On est en sous-nombre, on est en sous-score. On a deux zones, mais ça veut absolument rien dire. Je passe à la B. On a un Brindisi qui est en train de venir full boost. Montre-toi. Ah, mais vas-y, montre-toi. Tu fais quoi, Frisland, là? Tu me montres pas des trucs. Ah, mais non, mais j'étais broadside. Ah, mais non, je suis repéré. Ah non, je suis à la paix. Visible. Ça servira. Attention, torpille. Ça va s'esquiver, ça. Mais oui, ça c'est ce qui... Tout est bien. Un Siegfried ici. Petit coup à la paix, non, il est plus broadside. Petit coup à la paix sur l'Alaska, ouais mais l'Alaska il est pas bien mis là. Il est pas bien mis. Voilà, il est pas bien mis, ça nous fait rien, t'aurais dû être à la chute dessus. Oh non, c'est pas moi, j'ai rien fait, arrêtez, ça suffit.
Oh, c'est les pentes qui me dérangent comme ça. Oh, mais non. Bon, ils sont en sous-nombre, on est en surscore. C'est plutôt pas mal. Je peux aider sur le cycle. Ah mince. Un der grosseux là. Ça c'est pas cool. Allez, je vais essayer d'aider sur le fait qu'on peut peut-être focus. Ils sont occupés à tirer sur autre chose. Un petit peu. Par contre là j'ai une île sur mon bâbord. C'est vraiment pas cool, je peux pas tourner. Donc, je pense que c'est ce que je fais. Il y a les pentes qui sont toujours là. Il est occupé à tirer sur des trucs plus près. J'essaie d'aider le plus possible. Tout ce que je peux aider. Pas nous. Oui. Oh, le Neptune qui m'allume. Oh putain de la chance que je passe derrière lui. Oh 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 oh. C'est pas moi, c'est pas moi. Bon alors ça recap. Ils prennent toujours une zone en plus. Crash en manque de sel. Non mais ça va, ça se passe plutôt bien. Oh merci pour le hosting, c'est très très gentil. Bro Wrestling TV. Bienvenue aux gens qui sont sur Bro Wrestling TV. Malheureusement c'est la dernière. Ouais, poète aussi, ouais. Oh, Neptune. Attends. Mort, t'attires sur le Neptune pour rien. Tout va bien, Iowa, tout va bien, je t'aime. C'était juste pour te faire un bisou. Ok, ouais, je peux bien. Je suis à la paix, c'est pas grave, Osef. Je passe en HE, j'essaie le coup. Je tente le coup. Ça marche arrière. Viens. Comme quoi, changer de point en temps, ça sert un peu. Flourg. We destroyed their destroyer. Changement d'obus rapide, des fois ça sert un peu. C'est pratique. Ok, ils sont plus que 3. Je suis hydro. On a un Siegfried là. On a un Der Grosse là. Ils sont plus que 2. Un feu, 4000 de dommages. Alors, il reste 6 minutes. Il faudrait que le jus de lande aille caper. Il sait ce qu'il doit faire, on va tirer. Allez, ils sont plus que deux, faut qu'on la finisse cette game, faut qu'elle aille caper, ils sont tous les deux là. Je suis repéré par avion. Il faudrait que je me casse, en fait, que je passe tout le tour. Désolé pour le KS. Pour les pentes. Battle ends in 5 minutes. On va essayer de lui mettre aussi l'assaut sur les pentes.
une petite salve bien des familles. Tout ça sans smoke, hein, on est d'accord. Alors, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne pas. Waouh! Là par contre, c'est pas bon. C'est pas bon. On prend ça quand même. Oh non, le GG. Bon, bonjour. Ah, 14 000 points d'expérience. Bien ça. C'est cool. Je suis pas premier. Le Jutland a fait beaucoup de travail apparemment. Pour que les mecs disent dans le chat que le Jutland est OP. Wow. Jutland Friesland, 2300, 2300, 2149 sur l'Azuma. On a vraiment beaucoup de brut ici sur les trois premiers. Moi, je me retrouve milieu de tableau, mais bon, j'ai fait du KS, quoi. 2 kills, 77-4, dommage, c'est très... Voilà. Bon, on n'est pas mort. On a aidé. C'est bien. 21h05. Mesdames et messieurs, il est l'heure pour moi de vous laisser. On arrive à 189 000 points d'expérience sur le navire. Le but est atteint, je voulais avoir ma première victoire du jour avec. On a fait 23 000 points d'expérience aujourd'hui avec le Drake. Je suis content. Je vous laisse. Je vous remercie pour cette petite heure passée en votre compagnie. C'est l'art du ninja. Hein. C'est souvent pas prévu et souvent rapide. Mais il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Et puis ben, moi, ce soir, autrement, je vous donne rendez-vous à partir de 23h. Sur ma propre chaîne, si vous voulez venir faire un tour. Je regarde rapidement si je peux pas vous envoyer chez quelqu'un. Qui est-ce qu'il y a? Tarinax. Il y a ce monsieur Géo. Tank Invader. La Luciole. Il vaut mieux que j'envoie quelqu'un sur chez qui je connais. Et chez le Buff Buff. Bah, le Buff Buff, c'est un de nos viewers, ça. On va vous envoyer chez le Buff Buff et puis je m'en vais sans avoir le temps de regarder et de dire coucou. Toujours faire des raids, c'est important. Le Buff Buff. Hop là. Allez. A plus tard les gens, merci d'avoir suivi. Si, je vais faire un coucou quand même. Il faut gagner encore beaucoup de parties, encore de l'acier. Couleur qui n'est pas. Pourquoi c'est jaune? Il n'y a rien, et que ce soit. Bonsoir Neneu. Je suis désolé. Débute. Je n'ai pas encore pu paramétrer énormément de choses. Mais merci pour ce raid. Ça fait plaisir. Je suis un piètre joueur. Même si je te regarde très souvent sur la WoWZFR. J'apprécie énormément ce geste. Mais désolé, je n'ai pas d'alerte. Voilà. C'est pas ma première fois, mais j'avoue que je m'attendais pas à ça. Donc un grand merci à toi et un grand merci à tous ceux qui s'abonnent, enfin qui s'abonnent, qui me follow. Pas non plus le vocabulaire pour l'instant. Voilà. Je reste sur du début qui progresse. Alors pas dans le jeu,
dans le jeu, je suis toujours très mauvais. Même si j'ai l'été 10, donc ça fait un certain temps que je joue, je n'évolue pas beaucoup. Mais j'écoute tes conseils. Ah bah j'essaye d'être fun, à défaut de bien jouer, j'essaye d'animer un petit peu. Je dois avouer que, en général, j'ai un ou deux viewers. Là, t'en as 150. Bien, bonne soirée à toi, Nono. J'espère que tu as passé un bon live.